I waking you up yet? Have I crossed the line between what is yours and mine? Am I holding you up still? Or have you made a way out so you can leave? Salut tout le monde, aujourd'hui on était au DECA CrossFit avec Greg. On vient de faire la partie en anglais, fait que c'est un peu comme bizarre dans ma tête là. Mais cela dit, j'ai levé des poids, ça fait à peu près 7 ans que je suis dans le gym, et plus côté bodybuilding puis fitness. Fait que je suis vraiment en isolation tout le temps. Mais là j'ai envie de devenir un meilleur lifter, and pas power lifter, mais quelqu'un capable de faire des Olympic lifts, puis juste devenir plus fort puis plus fonctionnel. Overall, je dirais. C'est bon. Fait qu'aujourd'hui, j'étais avec Greg, qui est un weightlifting coach, puis qu'il est vraiment bon à qu'est-ce qu'il fait. Fait que j'ai demandé, c'est un bon ami à moi, j'ai demandé s'il était capable de m'apprendre à faire les Olympic lifts properly. Hey, j'ai de la misère en masse. La bonne façon. La bonne façon, la bonne technique. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir, Greg? On va travailler le snatch, le clean and jerk, l'arracher, l'épaulé jeté. On va regarder les meilleures façons de le faire. C'est un sport qui est quand même simple, right? Tu prends la barre par terre, tu la lèves en haut de ta tête. Donc, on va regarder la base, comment utiliser les bons groupes musculaires, les bons leviers aussi pour faire ça. Puis, travailler l'explosivité dans tout ça. Parfait, ça. Let's go. Donc, la première étape du weightlifting, on va t'étirer un petit peu, okay. Juste pour être certain que tu sois lousse. Donc, on va faire des PVC pass-through. On va passer la barre par-dessus ta tête, jusque dans le bas du dos comme ça. Si tu sens que t'es lousse, on va juste rapprocher les mains un petit peu. Je suis pas bien lousse, moi, je te dirais. T'es pas bien lousse? On n'en fait jamais assez de ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est correct. Ça va t'aider, ça va stretcher ton chest. Plus de gains. That's right. Ça, tu vas garder la barre en haut de ta tête. On va commencer à faire des overhead squats. Essaye de la garder toujours en haut de ta tête. Pousse-la vers le haut. Fais comme si tu étais en train de faire ton lift. That's it. Tu l'amènes-tu parallèle à ton dos? Tu veux toujours la garder en haut de ta tête. Comme si, si la barre devait descendre, c'est comme si ça me couperait en deux. Donc exactement au niveau de tes oreilles. Tu veux que tes coudes soient exactement au niveau de tes oreilles. Donc ici, dans la même ligne. Okay. Fait que si je mets le bâton, tu es un petit peu trop en arrière. Ça ici, comme ça. That's it. L'exercice qui est intéressant de faire aussi avec quand on a un partner. Descends dans ton red squat. On est appliqué mon genou comme ça. On est tiré. C'est important ça. That's it. Tu vas remonter. Je te dis, je commence à une pompe d'épaule. Parfait ça. La première étape. C'est de savoir comment prendre la barre, right? Okay. On va commencer avec l'arraché, parce que l'arraché, c'est celui qui prend le plus de technique, de skill. Okay. Ça se transfère beaucoup mieux après sur l'épaulé jeté. Fait que prends ta barre. Je veux vraiment que ta barre arrive dans le milieu de ta hanche. Où est-ce que ta hanche plie? Donc, mets tes bras le plus large possible. That's it. Excellent. All right? Donc ça, ça va être ta position de départ. C'est pareil à tenir, ouais, c'est pas facile. Quand on n'est pas habitué, c'est pas facile. Mais tu veux vraiment toujours que tes épaules soient engagées. Fait que fais comme si tu voulais briser ta barre exactement comme ça. Okay. Donc tu vas la prendre de cette façon-là. Si t'es pas confortable, tu peux rapprocher un peu tes mains. C'est pas la fin du monde. Là, on va engager tes trapèzes puis ça va pouvoir compenser. Okay. Tu gardes toujours ça serré. Ce qu'on va faire au début, on va juste descendre jusqu'en haut de ton genou. Alright, je veux pas trop que tu descendes tes fesses parce que je veux garder la tension dans tes hamstrings, dans tes ischio-jambiers. Okay. Donc je vais pousser comme ça par en arrière. Amène tes épaules par-dessus la barre tout le temps. Non, pas comme ça. Amène vraiment ton corps. Descends, descends. Là, lève un peu comme ça. Okay. Lève tes fesses par le haut, comme si tu allais faire un deadlift. Ouais, ouais, je descends dans mes quoi. Exact. Là ici, tu vas venir serrer ça. Chest out, butt out. Exactement. Donc là, tu peux juste redresser pour voir un peu comment ça feel. That's it. Toujours en gardant la tension dans le dos et dans les hamstrings. C'est ça tes deux leviers qui vont faire que tu vas être capable de lever ta barre. Là, tu peux descendre jusqu'en bas la moitié de tes tibias. Good job. Arrête, lève puis arrête juste en haut de ton genou. That's it. Là, monte en haut. Yes, exact. On va refaire ça deux autres fois.
Job, Matt. Good job. On va partir comme ça. Tu peux déposer ta barre. Tu veux jamais briser ta ligne comme ça, OK? Donc, la distance que tu as, par exemple, entre ton chest et ton nombril, là, tu veux pas la briser comme ça. Tu veux juste rester toujours engagé, mais tu veux être sûr de sortir comme il faut. C'est comme je te disais, de sortir les deux. Le truc que je donne à ceux qui commencent, du fait comme quand vous rentrez dans un 5 à 7, là, vous voulez montrer votre chest puis montrer vos fesses en même temps, mais tu veux jamais comme être en overextension comme ça ici. Non, non plus comme ça. All right, let's go en bas. Donc, tantôt, ce qu'on a travaillé, c'est le bas de la position. Hein? Donc, la position de départ qui est ici, en bas. Maintenant, ce qu'on va travailler, c'est les trois positions du snatch. Donc, on va monter juste en haut du genou. On va s'en aller ce qu'on appelle le power position, aussi le pocket. Vois-tu, je suis en position d'exploser encore. J'ai encore des leviers. Mon poids est sur mes talons, dans le milieu de mon pied. Et là, hop, l'explosion se fait. Donc, il y a une extension complète des genoux, des hanches, puis de tout mon corps. Puis c'est ça qui va venir driver la barre par en haut. Donc, position de départ, position 1, power position, et hop! On va aller chercher ça ici. Donc, position de départ, pousse tes genoux vers l'extérieur, that's it! Et hop! 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 Je veux que tes jambes, je veux pas que tu extensionnes tes jambes au complet avant de monter la barre. Donc, tu as toujours une tension. 1, 2. Voici, mes jambes sont encore en position de force. On s'en va là. Exactement. On va faire ça encore. Rapproche tes pieds un petit peu. That's it. Pousse tes genoux à l'extérieur. Excellent. Hop. 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 Good job. Solide. Même chose, mais je veux entendre tes pieds. Je veux que tes pieds bougent maintenant. Hop. 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 Good. Encore. Dernière fois. Hop. 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 Good. That's it. Très bien. Donc, on va juste travailler ton power, ton explosion. Ça vient avec le temps. On l'aura pas aujourd'hui pour snatcher 4 plates. Garde. Garde la barre exactement où est-ce que les poches de ton pantalon. Descends. Je veux que tu restes les épaules en haut de la barre. Plie tes genoux un petit peu. That's it. La barre reste en haut. Fait que là, c'est important, c'est ton dos, là, ton haut de dos. Okay, exactement. Okay. Garde la barre proche et... Good. Rapproche tes pieds un petit peu. C'est pas une position qui est confortable, mais par la suite, tu vas être confortable dans l'atterrissage du mouvement. Et... Good. La barre plus haute un peu. Tu peux plier tes coudes un petit peu même, ça me dérange pas. That's it. Et... Good. Excellent. Toujours un travail constant, un work in progress. On va y arriver. Parce que j'ai les jambes proches, moi, on dirait que je serais plus large, tu sais, plus fond, on dirait, dans ma tête. Mais c'est normal qu'il y ait toujours des subtilités. Donc, c'était ça pour l'épisode numéro 1. J'espère que vous avez appris la base de qu'est-ce qui est le weightlifting, de ces mouvements-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est quelque chose que je pense qui est vraiment utile pour devenir plus fort et plus complet puis plus agile. Parce que c'est non seulement juste la force, mais c'est aussi la flexibilité de vraiment performer puis amener notre corps à performer encore meilleur. Fait que c'était ça pour l'épisode 1. Je vais faire des trainings avec Greg pendant environ 3 mois, puis je vais voir jusqu'à quel point que je peux amener mes lifts, puis comment que je peux améliorer ma technique, parce que comme vous avez pu voir, j'apprends en même temps que vous, puis je suis vraiment pas bon là-dedans. Mais en même temps, c'est bon de sortir de sa zone de confort puis d'essayer de quoi de nouveau. C'était ça. Fait que j'espère que vous avez appris. N'oubliez pas qu'en dessous de cette vidéo, il y a un fichier à downloader pour se rappeler des points qu'on a appris aujourd'hui, puis vous pouvez le downloader pour être sûr que quand vous le faites au gym, vous êtes capable de dire « OK, j'ai pas oublié ça ». Fait que sur ce, je vais vous voir dans le prochain épisode où est-ce qu'on commence à lever avec des poids. Puis j'ai juste de voir comment que je vais performer. Peace. Am I waking you up yet? Have I crossed the line between what is yours and mine?